Le Avro Lancaster est considéré comme ayant été le bombardier le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale. Il fut construit à plus de 7000 exemplaires, et entre sa première mission, le 10 mars 1942, et la fin du conflit, les Lancasters effectuèrent plus de 156 000 sorties sous les couleurs de 56 différents escadrons de la RAF. Le Lancaster fut sans aucun doute l'arme de destruction la plus redoutable de l'arsenal de la RAF. Équipé d'une soute à bombes de 10 mètres de long et d'1,50 m de large, le Lancaster était à même d'emporter à son bord une charge égale, voire parfois supérieure à son propre poids. Et en emportant fréquemment des bombes d'une taille rarement égalée, il dépassa toutes les attentes de ses concepteurs. Les bombes les plus remarquables furent les bombes Tallboy de 6 tonnes et le Grand Slam d'un poids de 11 tonnes, les deux bombes de type conventionnel les plus importantes jamais conçues. Le 14 mars 1945, la bombe Grand Slam ainsi que plusieurs Tallboys furent employées dans le bombardement du viaduc de Bielefeld. Le raid mené par les Lancasters de l'escadron 617, surnommé les Briseurs de Pont, fut un succès considérable. Plus de 120 mètres de viaduc furent détruits en quelques instants. De tels exploits, qui portent des coups terribles aux ressources nazies, ne sont pourtant qu'une modeste partie de la contribution des Lancasters à l'effort de guerre. En 3 ans d'opération, malgré la perte de 4000 appareils, les Lancasters ont dans le même temps déversé plus de 600 000 tonnes de bombes, soit les 2/3 du tonnage total des bombardiers envoyés par le Bomber Command, ainsi que 50 millions de bombes incendiaires. Lancaster s'est forgé une réputation auprès des dizaines de milliers de pilotes et de membres d'équipage qui lui portent une admiration sans faille. C'était pour ces hommes un appareil au pilotage d'un rare confort, sans défaut, d'une robustesse étonnante, le rendant capable de supporter de lourds dégâts et de ramener ses équipages à destination malgré le feu de l'ennemi. Le pilotage du Lancaster était d'une aisance telle qu'en cas de défaillance du pilote en titre, un navigateur ou tout autre membre d'équipage était à même d'en prendre les commandes. L'appareil ne nécessitant pas la présence d'un copilote, le commandement put mieux gérer ses effectifs et consacrer moins d'heures à la formation des pilotes. Le Lancaster a servi dans des missions nocturnes au cours de ses 2 premières années de combat. Il était lourdement armé, facteur essentiel en cas de nécessité d'engager le combat avec d'éventuelles patrouilles nocturnes de chasseurs allemands. Contrairement aux bombardiers allemands, les 8 mitrailleuses de 7,65 du Lancaster étaient disposées dans des tourelles actionnées électriquement, leur conférant une visée plus performante. «
Tout au long de la guerre, l'objectif premier, et à une vaste échelle pour le commandement stratégique aérien, fut la destruction de la puissance militaire et industrielle allemande. Dans la poursuite de cet objectif, 47 268 pilotes et membres d'équipage ont trouvé la mort. Si les résultats plus qu'efficaces du bombardement stratégique systématique de l'Allemagne par les forces aéroportées se trouvent aujourd'hui au cœur d'une controverse complexe, la certitude demeure quant au rôle joué par le Lancaster dans une campagne qui, sans sa contribution, aurait été vouée à l'échec. La déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l'Allemagne le 3 septembre 1939 trouve le commandement de la RAF dans une situation qu'aucune projection n'avait jusqu'alors envisagée. Aucun des plans conçus par l'état-major au cours de ces dernières années ne peut être appliqué. Alors que l'on s'attendait à l'éventualité d'une offensive allemande à l'ouest, sur la France et ses pays limitrophes, Hitler décide d'envahir la Pologne. Le plan de défense aérienne numéro 4 du commandement tactique aérien prévoyait des frappes ayant pour objectif de couper les lignes de ravitaillement de l'armée allemande dans l'éventualité d'une bataille dont la France serait l'enjeu. Toute frappe en Pologne, soit à 1126 km de toute base aérienne, était bien au-delà des capacités de la RAF. Et devant les ordres d'Hitler de ne pas attaquer les villes anglaises, la RAF ne pouvait prétexter de passer à l'attaque des bases de la Luftwaffe, situées sur le territoire allemand en guise de représailles, comme l'avait envisagé le plan de défense aérien numéro 1. La seule option qui demeurait envisageable était le bombardement systématique des zones dévolues à l'industrie militaire ainsi que des raffineries, une stratégie de la défense britannique en vigueur depuis les années 20. Mais cette fois encore, l'option fut rapidement rendue inapplicable. Le jour où la Pologne est envahie, un message du président américain Franklin Delano Roosevelt en appelait aux nations impliquées dans le conflit afin de ne pas recourir au bombardement de cibles où toute vie civile serait susceptible d'être atteinte. La Grande-Bretagne et la France adhèrent à cette proposition, suivie le 18 septembre de l'agrément allemand. Pourtant, une semaine plus tard, dans un revirement caractéristique du mépris d'Hitler pour toute forme de convention, Varsovie subit un bombardement implacable. Malgré le bombardement de Varsovie, le commandement britannique insiste auprès de la RAF pour interdire tout bombardement de sites industriels allemands. Aux yeux des responsables du commandement, cette façon de marquer le pas n'est pas forcément malvenue. Parmi eux, le Air Marshal Ludwig Hewitt, qui estime que l'état des instruments de navigation, ou même tout simplement de la flotte d'appareils, est loin de répondre à l'envergure des plans offensifs de l'état-major. À l'éclatement de la guerre, la RAF ne dispose que d'un nombre important de bombardiers Farley Battle. Et si ces bombardiers conviennent encore aux opérations militaires dans les colonies britanniques, avec seulement 500 kg d'armement utile, une vitesse de pointe de 370 km/h et uniquement deux mitrailleuses, ils sont indéniablement dépassés pour les missions qui les attendent face aux chasseurs de la Luftwaffe dans l'espace aérien français. Le Bristol Blenheim fut, à sa mise en service en 1937, le plus rapide des bombardiers à moyenne portée. Un Blenheim configuré pour des missions de reconnaissance fut le premier appareil, au cours du Second Conflit mondial, à survoler le territoire allemand pour photographier le site du port de Wilhelmshaven. Armé de deux mitrailleuses et emportant 700 kg de bombes, le Blenheim servira utilement tout au long de la guerre, mais en tant que bombardier diurne, il fut dès 1939 considéré comme dépassé. Le Handley Page Hampden pouvait emporter quant à lui une charge plus importante, à savoir 2 tonnes pour une autonomie de près de 2000 km.
Il était théoriquement un appareil rapide, mais avec une vitesse de croisière de seulement 240 km/h et doté de seulement 4 mitrailleuses Vickers, il ne pouvait guère rivaliser avec les chasseurs allemands. Le Armstrong Whitworth Whitley pouvait emporter jusqu'à 2 tonnes 800 de bombes sur une distance de 2100 km et il représentait un grand espoir pour nombre de décideurs. Mais ses performances réelles se montreront décevantes. La vitesse de croisière du Whitley ne dépassait celle du Hampton que de 15 km à l'heure et son plafond de 17 600 pieds était dangereusement bas. Le Whitley allait être retiré de l'inventaire dès 1941. De tous les bombardiers de la RAF en 1939, le Vickers Wellington était le seul dont la conception était intégralement satisfaisante. Il était rapide et armé convenablement. Il était doté de 6 mitrailleuses de 7,65 dans le nez et la queue, et il pouvait emporter sur 2400 km une charge de 2,250 tonnes de bombes. Le Wellington avait été conçu pour démontrer qu'une escadrille de bombardiers en formation serrée pouvait efficacement pénétrer l'espace aérien ennemi pour atteindre une cible donnée. Cette théorie fut mise à mal par la pratique, mais il demeure que pour toutes ses qualités, le Wellington fut considéré comme le plus beau fleuron de la flotte de bombardiers des premières années de guerre. Au cours de la campagne d'automne 39, les Wellington et les Blenheim de la RAF furent les premiers appareils à entrer en action. Afin d'éviter toute atteinte à la population civile, les cibles choisies furent les vaisseaux de guerre allemands approchant de leur port en mer du Nord. Les bombardiers sans escorte rencontrent un feu nourri de la part de la défense aérienne allemande, la FLAC. Les équipages de bombardiers britanniques mènent leurs attaques sans relâche. Mais leur entraînement est inadéquat pour des missions visant à porter un coup fatal aux voies de ravitaillement ennemies. Cette lacune se double de l'insuffisance de leur armement, des bombes de 250 kg n'ayant que peu d'effet sur des vaisseaux de guerre. De fait, l'ennemi ne subit que peu de pertes. Sur 861 missions, seules 61 tonnes de bombes sont lâchées et 43 appareils ainsi que plus d'une centaine de membres d'équipage sont perdus. Le 9 avril 1940, les forces allemandes envahissent le Danemark et la Norvège. Si au Danemark, les efforts britanniques étaient illusoires, le commandement des forces aériennes reçut la consigne de tout faire pour ralentir la progression des Allemands en Norvège. Le 12 avril, au cours de la plus grande opération menée à ce jour par la RAF, 83 appareils, dont 36 Wellington et 24 Amdens et 23 Blenheim, s'en prennent aux moyens de ravitaillement allemand à Stavanger, et ce, sans aucune couverture aérienne. En effet, le parcours aller-retour de 1600 km est trop important pour l'autonomie réduite des Hurricanes et des Spitfire de la RAF. Les bombardiers se retrouvent rapidement confrontés à de nombreux chasseurs. L'opération Stavanger marque un virage sur le plan stratégique et l'idée que des bombardiers suffisamment équipés peuvent se défendre eux-mêmes est rapidement et brutalement battue en brèche. 6 Hamden et 3 Wellington sont perdus. À la suite de ce raid, les deux types d'appareils sont réaffectés et ne participeront plus au raid diurne. L'interdiction que s'était imposée la Grande-Bretagne de bombarder des cibles industrielles allemandes est rendue caduque par le bombardement de Rotterdam par la Luftwaffe le 14 mai 1940. Durant les 4 années qui suivirent, les efforts et les ressources des escadrons de bombardiers se concentrèrent sur le pilonnage des villes allemandes.
Les opérations auront lieu la nuit. Les cibles principales seront les sites industriels, les raffineries, les usines d'avions et, dès le mois de mars 1941, les ports et les bases des U-boats. Le bombardier le plus efficace au cours des premières phases de bombardement stratégique fut sans conteste le Vickers Wellington, qui, à son retrait de l'inventaire en 1943, aura largué pas moins de 32 000 tonnes de bombes au-dessus de l'Allemagne et des pays se trouvant sous occupation nazie. Le passage au bombardement nocturne contribua certes à réduire le nombre de victimes parmi les équipages britanniques, mais cette décision eut aussi un impact important sur leur efficacité stratégique. Les équipages n'avaient qu'une formation très limitée en opération nocturne, et la RAF ne disposait alors d'aucune aide radio à la navigation. En juin et juillet 1941, un rapport émet la conclusion selon laquelle seul un tiers des équipages parvenait à larguer leurs bombes et dans un trop large rayon de 7 km au-dessus de l'objectif. Au-dessus de la Ruhr, cette moyenne tombait à un dixième seulement des équipages pouvant parvenir aux alentours du site visé. En cas de météo défavorable, la moyenne chutait encore jusqu'à un équipage sur 15. Au long de l'année 1941, le pourcentage de pertes augmente régulièrement. Les chasseurs nocturnes allemands, aidés par le radar, infligent aux bombardiers de sévères pertes. Entre juillet et novembre, 414 bombardiers nocturnes et 112 bombardiers diurnes sont perdus, soit en seulement 4 mois l'équivalent de l'ensemble de la force de première ligne du commandement tactique aérien. Au cours d'un seul raid au-dessus de Berlin, le 8 novembre, 21 bombardiers sont abattus sur 169 appareils, soit une perte de 12,5%. Le prix de ces bombardements nocturnes est lourd à payer pour le commandement. Mais comme il s'agit à cette date du seul moyen de frapper l'Allemagne, l'offensive doit continuer. On pensait que les échecs répétés étaient principalement dus à une disproportion entre les objectifs et les moyens. Il fut donc commandé 4000 bombardiers, un nombre totalement irréaliste. Mais des améliorations considérables interviendront, comme l'aide à la navigation par le radar, les équipages trouvant ainsi plus aisément leurs objectifs. En outre, il sera enfin répondu à la nécessité pour ces bombardiers de s'équiper de façon plus efficace en augmentant considérablement la capacité d'emport de bombes. L'espoir du commandement se fonde bientôt sur l'émergence d'une nouvelle génération de bombardiers qui font leur entrée au sein des escadrons en nombre chaque jour grandissant. Le premier de ces bombardiers lourds est le Short Stirling, introduit en février 1941. Sa charge utile est de 7 tonnes et son rayon d'action de 1200 km. Mais il était contraint d'emporter des bombes n'excédant pas 4 tonnes du fait de la configuration de sa soute à bombes. Bien défendu par une batterie de 8 mitrailleuses, il ne vole cependant qu'à la vitesse de 394 km/h et se voit limité à un plafond de 16 000 pieds du fait de son envergure restreinte. Il est donc une proie facile pour les chasseurs et les tirs de défense aérienne ennemie. Handley Page Halifax devient quant à lui opérationnel en mars 1941. Sa capacité en bombe était plus réduite que le Stirling, mais il était plus rapide et mieux armé. Avec ses 9 mitrailleuses, une vitesse de pointe de 380 km/h et plafonnant à 21 000 pieds, le Halifax joua un rôle majeur dans les offensives nocturnes en larguant au-dessus de l'Allemagne un quart de million de tonnes de bombes.
À son introduction à la fin de l'année 1940, le Avro Manchester fut considéré comme un nouveau souffle pour le commandement tactique aérien. Au lieu de cela, il se révéla totalement désastreux et il fut l'objet du mépris de tous ceux qui eurent la malchance de s'installer à ses commandes. Conçu pour remplacer le Hamden, il était loin pourtant d'atteindre le plafond de 20 000 pieds de ce dernier. La faute est imputable à ces deux moteurs Rolls-Royce Walter de 1800 chevaux, pas assez puissants et ne faisant de surcroît preuve d'aucune fiabilité. Son train d'atterrissage laissait lui aussi à désirer. Sur un total de 202 appareils répartis sur 10 escadrons, 50 Manchester, soit 25% de leur nombre total, furent perdus au décollage ou à l'atterrissage uniquement. Le Manchester était de plus vulnérable en plein vol, certaines parties du moteur étant exposées aux tirs antiaériens. Si l'un des moteurs subissait une défaillance, l'appareil pouvait alors perdre de l'altitude très rapidement. 80 Manchester, soit 40% de l'inventaire total, tombèrent sous le feu ennemi. L'ingénieur en chef des usines Avro, Roy Chadwick, n'avait jamais cru aux capacités du moteur Rolls-Royce Walter. Et il avait cependant accepté son application au Manchester, mais à son corps défendant. Il restait néanmoins persuadé que l'appareil lui-même était d'une conception satisfaisante. En 1939, il avait soumis un projet d'une version quadrimoteur du Manchester, idée qui avait reçu l'agrément du ministère de l'Air. Chadwick fut cependant informé que les moteurs Rolls-Royce Merlin qu'il envisageait d'employer ne seraient pas disponibles. Tous les moteurs Rolls-Royce Merlin devaient en effet équiper exclusivement les Hurricane et Spitfire. Chadwick se porta néanmoins acquéreur de 4 moteurs Merlin et s'attela à leur adaptation sur un Manchester. Les ailes des Manchester furent allongées jusqu'à 36 mètres et elles furent recouvertes d'un métal plus léger. La partie centrale du fuselage fut modifiée, mais outre ces changements, le nouvel appareil était bel et bien un Manchester revu et corrigé. L'empennage du Manchester fut abandonné et remplacé par le double empennage caractéristique et qui allait par la suite également orner les Manchester 1A. Le résultat fut phénoménal. Le nouvel appareil fut provisoirement baptisé Manchester 3 avant d'être renommé définitivement Lancaster. À la fin de la bataille d'Angleterre et avec enfin une bonne disponibilité des moteurs Merlin, un programme intensif de fabrication peut commencer. En octobre 1941, le premier Lancaster effectue son baptême de l'air. La transformation du Manchester en Lancaster généra une spectaculaire et providentielle amélioration dans les performances des équipages en mission. Les proportions harmonieuses de l'appareil ne trahissent en rien sa conception quelque peu hâtive. Et il apparaît immédiatement évident à quiconque en prend les commandes que Roy Chadwick et ses hommes avaient conçu là un appareil remarquable. Le Lancaster 1 avait un rayon d'action de 2780 km avec une charge d'armement de 6 tonnes. Sa vitesse de pointe à pleine charge était de 440 km/h à 15 000 pieds et son plafond maximum était fixé à 24 500 pieds. Au long du conflit, une version modifiée est introduite. Le Lancaster 3, variante sensible de son prédécesseur, avec une capacité d'armement de 11 tonnes. Le commandement disposait enfin d'une arme capable de remplir les objectifs qu'il s'est fixé depuis si longtemps. L'entrée en lice du Lancaster marqua un nouveau chapitre dans la campagne menée contre l'ennemi. En février 1942, le Air Marshal, Sir Arthur Harris, est nommé à la tête du commandement, sur lequel il imprime presque immédiatement sa marque de leader de grande valeur.
Du plus haut gradé, comme au bas de la hiérarchie, il communique un esprit de détermination et une certaine assurance. Ainsi que de nouvelles consignes. Une semaine avant sa nomination, le ministère de l'Air avait émis la directive selon laquelle le Bomber Command était chargé de faire plier la volonté du peuple allemand par des frappes au cœur même de ses villes. Cette campagne sera menée quasiment intégralement de nuit, sans relâche, 2 ans durant, et le prix en sera considérable du point de vue de l'élément humain. À l'avant-garde des raids offensifs, on trouvera à chaque fois davantage de Lancaster. La première opération à laquelle Lancaster prendra part vise la ville de Essen le 10 mars 1942. Entre les mois de mars et mai, le nombre de Lancaster prenant part aux missions grandit jusqu'à la date fatidique du 30 mai, où 73 Lancaster se déploieront au-dessus de la ville de Cologne au cours du premier des raids, dit des 1000 bombardiers. L'opération Millennium expédie 1445 tonnes de bombes au-dessus de Cologne, qui détruisent 3500 habitations et 36 usines. Les docks et les voies ferrées sont sévèrement touchés et les sources de ravitaillement en eau, gaz et électricité sont annihilées. 12 000 foyers d'incendie ravagent le cœur de la ville. Les deux raids suivants se soldent de façon moins favorable. Une nouvelle attaque sur Essen est avortée à cause du mauvais temps. Et l'attaque sur la ville de Brême, à laquelle prend part 96 Lancasters, voit 48 des appareils y prenant part abattus et 65 autres gravement endommagés. Les pertes subies parmi les équipages britanniques étaient principalement dues à l'efficacité croissante de la défense allemande. Au début de l'année 1941, l'Allemagne ne disposait que de 164 chasseurs nocturnes et d'un système relativement primitif de détection d'approche de l'ennemi. Malgré cette configuration pour le moins rudimentaire, à la fin de l'année, les chasseurs nocturnes nazis parviennent à abattre 422 appareils britanniques. La bonne fortune avait à cette époque souri à la Luftwaffe avec la nomination à la tête de la défense nocturne d'un tacticien hors pair, le général Joseph Kammhuber. Outre les chasseurs nocturnes, Kammhuber avait sous ses ordres 2 divisions affectées aux projecteurs antiaériens, 3 régiments de communication et quelques unités de combat diurne. En 1942, Kammhuber se dote de 350 chasseurs nocturnes et réorganise son système de contrôle des défenses nocturnes. L'espace aérien au-dessus du territoire allemand et des pays occupés était réparti en secteurs. Chaque secteur se reposant sur 3 stations radar. La première, équipée de radars longue portée Freya, pouvait détecter l'approche d'appareils ennemis à 160 km. 2 autres, des Wurzburg, de portée plus restreinte, pouvaient quant à eux détecter un appareil isolé à environ 45 km. Lorsque le radar Freya repérait l'approche d'une formation ennemie, les chasseurs nocturnes étaient mis en alerte et partaient couvrir les secteurs à travers lesquels les appareils ennemis pouvaient nécessairement passer. Les pilotes de ces chasseurs étaient de véritables experts, triés sur le volet. Chacun capable d'abattre jusqu'à 6 bombardiers, y compris les Lancaster les mieux armés, et ce, en l'espace d'une seule nuit. Au milieu
milieu de l'année 1942, les chasseurs sont dorénavant principalement des Messerschmitt 110 ou des Junkers 88C, tous deux bimoteurs. Ils étaient relativement lents, mais ils pouvaient sans difficulté mettre un Lancaster à pleine charge de bombes en péril en le soumettant à leur feu. Du tandem de radar Wurzburg, le premier détectait un bombardier à son entrée dans le secteur, l'autre déterminait la position des chasseurs nocturnes en vue de l'attaque. Les bombardiers britanniques avaient peu l'occasion d'anticiper l'attaque d'un chasseur, et encore moins d'appareils parvenaient à se sortir des combats qui s'ensuivaient. Le département de recherche rattaché au commandement constate que les appareils retournant endommagés à la base l'étaient la plupart du temps par des tirs de DCA, tandis que les avions abattus l'étaient en règle générale par les chasseurs. Mais tout fin stratège qu'il fût, Kammhuber avait une lacune dans son plan de défense, dont les forces britanniques résolurent de tirer avantage au plus vite. En effet, si les bombardiers franchissaient le quadrillage de Kammhuber en se répartissant moins largement, ils réduisaient aussi considérablement le nombre d'appareils risquant de décoller des sites des secteurs survolés à leur rencontre. Malgré ce calcul, les défenses allemandes infligent encore de sévères pertes aux bombardiers jusqu'en juillet 1943, époque à laquelle les appareils britanniques commencèrent à larguer des morceaux de papier d'aluminium pour brouiller les radars. Mais cette idée n'assure qu'un répit passager aux forces aériennes. Au long de l'année 1942, les pertes subies du côté britannique ne cessent d'augmenter pour atteindre près de 5% des effectifs. Un homme sélectionné pour intégrer un équipage devait en moyenne effectuer 50 missions au long de sa période de service, avec déjà 4% de pertes, seuls 13 hommes sur 100 arrivaient à leur 50e mission. Les effectifs sont composés de volontaires qui s'engagent par nombre sans cesse croissant. Aux yeux du public, la RAF est considérée comme un groupe d'hommes d'élite. Et au sein de la RAF même, on considérait les équipages des Lancasters comme de véritables héros. L'entraînement de ces hommes était long et particulièrement rigoureux pour répondre à l'importance cruciale de leur future mission. Après une série de tests et d'examens médicaux qui permettaient aussitôt de rejeter de nombreux candidats inaptes, les heureux élus étaient expédiés à une antenne d'intégration des équipages à Regent's Park à Londres. On les équipait et les vaccinait, et après 10 jours, on les envoyait pour une session de 12 semaines dans une escadrille d'entraînement, où on mettait l'accent sur les bases et la formation aux activités du personnel au sol. On effectuait ensuite une présélection des pilotes, bombardiers, navigateurs, mécaniciens, opérateurs radio et canonniers. Pour ceux qui étaient retenus comme pilotes, bombardiers et navigateurs, l'entraînement continuait alors aux États-Unis, au Canada. Pour des tâches aussi pointues, cet entraînement pouvait en effet durer jusqu'à 18 mois. Les recrues devenaient spécialistes et on les envoyait enfin dans une unité d'entraînement opérationnel, ou OTU, chargée de faire de plusieurs groupes d'individus disparates des équipages homogènes, pensant comme un seul homme. Les futurs équipiers d'un bombardier Lancaster. Les cours dans cette unité duraient 4 à 5 mois. Et avant même que l'équipage ait volé dans l'espace aérien ennemi, les risques étaient déjà considérables. Certaines sessions perdaient un quart de leurs équipages lors de la formation. Un total de 5327 hommes ont péri à l'entraînement, soit un dixième du total des victimes dénombrées par le commandement tactique aérien au cours du conflit. Des équipages qui achevaient leur formation
tous n'étaient pas nécessairement affectés au pilotage des Lancaster. Ceux qui y parvenaient se considéraient comme privilégiés. Chacun savait que de tous les appareils, la Lancaster garantissait à la fois les meilleures chances de survie et d'atteinte de l'objectif. Au début de l'année 1943, les résultats obtenus par les Lancasters étaient tels que l'on pouvait estimer qu'une escadrille des Lancasters pouvait, au cours d'une seule mission, larguer plus de tonnes de bombes droit sur ses objectifs que l'ensemble des appareils du commandement tactique aérien au cours de l'année précédente. Parallèlement, les bombes devenaient plus puissantes et de combinaisons de plus en plus diversifiées. On pouvait emmener des bombes conventionnelles, pesant entre 110 et 250 kg, ou encore une bombe cylindrique dite Cookie de 2 tonnes pour compléter un équipement en bombe standard ou incendiaire. Alternativement, on pouvait aussi doubler la capacité de la bombe Cookie à 4 tonnes pour la larguer avec 6 autres bombes standard de 250 kg, ce qui suffisait à provoquer des dégâts impressionnants. Le type d'armement le plus notoire jamais embarqué sur un Lancaster, probablement du fait de son emploi spectaculaire, fut la bombe à ricochet, briseuse de barrage, utilisée dans l'attaque de l'escadron 617 contre les barrages de la Ruhr. Conçue par Barnes Willis, déjà père de la bombe Grand Slam de 11 tonnes, les briseuses de barrage devaient être emportées par des Lancaster dans des conditions particulières et larguées à l'altitude précise de 60 pieds. Menée par 19 Lancaster au cours de la nuit du 16 mai 1943, le raid contre la Ruhr est un succès sans mélange. Deux barrages sont détruits, déversant 200 millions de tonnes d'eau sur les installations. L'approvisionnement de sites clés dans la zone industrielle est stoppé net, et les transports et l'alimentation en électricité sévèrement compromis. Guy Gibson, pilote alors âgé de 25 ans et qui menait l'attaque, est décoré de la Victoria Cross. L'ironie du sort a voulu que le jeune pilote trouve la mort au cours d'une opération bien moins risquée l'année suivante. Cette période de mars à juillet 1943 voit se dérouler la seconde grande offensive du commandement tactique aérien britannique sur le territoire allemand. Mieux équipés, avec davantage de Lancasters, un arsenal de bombes assez large et des radars et radios mieux adaptés à l'évolution des conditions de combat, le commandement tactique lance une série de raids aériens plus connus sous le nom de « Bataille de la Ruhr ». Le cœur industriel de l'Allemagne reçoit la pleine puissance de 60 000 tonnes de bombes au cours des 4 derniers mois que dure l'offensive. Le prix à payer est tragique, avec 872 bombardiers perdus. Mais le coût porté à l'Allemagne est plus efficace qu'aucune tentative préalable de la part des équipages britanniques. Après la Ruhr, c'est à Hambourg de subir un assaut sans relâche. La ville avait déjà essuyé 98 attaques. Mais le 24 juillet, elle est la cible du premier des quatre raids implacables qui se succéderont sur une dizaine de jours. À chaque fois, ce sont 770 appareils qui prendront part au pilonnage, dont 350 Lancaster. Le premier soir, les appareils ont recours au brouillage radar par l'aluminium. Cela trompera l'ennemi et minimisera les pertes du côté britannique. Hambourg paiera cher la destruction du système de défense aérienne nocturne allemand. Un incendie détruira une portion de la ville, entraînant des milliers de victimes parmi la population civile. Mais le calvaire de Hambourg ne se limite pas à la nuit. Les B-17 américains bombardent la ville de jour, prenant pour cible les usines, les bases de sous-marins et les centrales électriques. Mais les Alliés ne disposent pas encore d'appareils capables de pénétrer profondément au cœur du territoire allemand. Et les pertes encourues parmi les escadrilles de B-17 sont considérables. À l'instar de leurs compagnons d'armes britanniques, les Américains apprennent que les missions de bombardement diurne sans escorte ressemblent à un suicide.
Après le succès de la bataille de la Ruhr, les efforts du commandement stratégique aérien se tournent vers l'Italie. Entre le 3 et le 15 août 1943, les villes de Gênes, Milan et Turin essuient le feu de 500 appareils, dont 320 Lancaster. L'efficacité de ces raids contribuera à forcer la capitulation de l'Italie aux Alliés 3 semaines plus tard. Le 3 novembre 1943, Sir Arthur Harris informe le Premier ministre Winston Churchill de la possibilité de détruire Berlin de fond en comble. Le prix potentiel à payer pour les Britanniques serait de 500 appareils et de leur équipage. Mais pour l'Allemagne, ce raid équivaudrait à la défaite. La bataille de Berlin débute le 18 novembre et elle dure 4 mois et demi. appareils attaqueront Berlin au cours de 16 raids principaux, effectuant un total de 9111 sorties. Certaines nuits, jusqu'à 500 Lancaster participeront aux opérations de bombardement. Mais malgré l'envergure de l'entreprise, Berlin ne souffrira pas autant que Hambourg du fait de sa taille. La capitale étant 30 fois plus grande que la ville de Hambourg et l'offensive étant menée sur une durée plus étendue, les brigades de pompiers et les secours ne seront jamais débordées. La défense aérienne ne sera pas non plus prise en défaut. Après s'être laissé surprendre par l'emploi du brouillage radar, lors du bombardement de Hambourg, la Luftwaffe choisit alors une tactique plus souple. Des escadrilles de chasseurs de nuit équipées de radars, plutôt que de recevoir des consignes rigides, croisaient dans le sillage des bombardiers britanniques, pendant que d'autres recevaient des directives radio émettant des informations de façon permanente et en temps réel sur les déplacements et les positions des bombardiers alliés. Les Britanniques se mirent bien sûr à brouiller les communications de la Luftwaffe, allant même jusqu'à émettre des instructions contradictoires pour dérouter les appareils ennemis. Mais l'impact de telles répliques resta limité et les pertes encourues par le commandement tactique furent dramatiquement élevées. Au cours de la bataille, 517 appareils, dont 394 Lancasters, furent perdus. Un coup terrible pour le commandement tactique aérien britannique. Malgré le sacrifice de milliers de membres d'équipage des forces britanniques, Berlin ne fut pas détruite de fond en comble. Les dommages subis, bien que dramatiques, n'atteignirent jamais le degré de dévastation annoncé par Harris. Après la Luftwaffe qui chercha à saper le moral anglais au cours du Blitz en 1940, c'est au tour de la RAF d'échouer dans cet objectif. Mais à la suite de l'offensive contre Berlin, les Lancasters allaient trouver un nouveau rôle, qui cette fois-ci allait sans conteste marquer un tournant dans le cours de la guerre. Le débarquement allié en Normandie du 6 juin 1944 est suivi par 10 semaines d'un féroce combat contre des forces de défense allemandes très déterminées. À mesure que les forces alliées défendent pied à pied leur position nouvellement acquise, le commandement tactique fait donner les bombardiers dans un assaut aérien d'une envergure sans précédent. Chaque semaine dénombrait 5000 sorties, soit l'équivalent du nombre total de sorties effectuées dans les 9 premiers mois du conflit. L'intensité des assauts était telle que nombre d'équipages effectuaient 2 sorties quotidiennes. Leurs objectifs, les concentrations de troupes allemandes, les caches d'armes et les liaisons routières et ferroviaires. Thank you.
Des chasseurs à longs rayons d'action pouvant désormais escorter les bombardiers au-dessus de la France, les Lancaster se consacraient désormais à des missions de bombardement en plein jour. Les premières missions de la campagne de Normandie sont menées à partir du 14 juin sur le Havre, où 221 appareils alliés, dont certains armés de bombes Tallboy de Seaton, s'attaquent aux navires allemands ancrés au port. Ces derniers constituant une menace pour les vaisseaux assurant le ravitaillement des forces alliées le long des côtes. Le raid est une réussite, laissant le port dévasté. Un seul Lancaster manquera au retour. Le 18 juillet, 942 appareils, dont 667 Lancasters, attaquent 5 villages fortifiés à l'est de Caen, qui faisaient obstacle à la progression alliée dans le cadre de l'opération Goodwood, une offensive d'importance. 5000 tonnes de bombes seront larguées, anéantissant deux divisions allemandes. Les raids de la région de Caen seront ainsi considérés parmi les réussites les plus importantes de toute la guerre d'un point de vue stratégique et portés au crédit du commandement tactique aérien. Entre le 14 juin et le 24 juillet, le commandement tactique ordonne 72 missions en soutien aérien des forces alliées, opérations qui font souvent appel à plusieurs centaines d'appareils. Le 25 juillet, des Lancasters bombardent une base aérienne et de transmission allemande à Saint-Cyr, près de Versailles. Les environs ayant déjà été bombardés, les Allemands avaient transféré leur centre d'opération dans la célèbre école militaire. L'école fut entièrement détruite et la Luftwaffe se vit alors privée de toute communication. Là encore, un seul Lancaster sera porté manquant. Le 30 juillet, 492 Lancaster, 200 Halifax et 30 Mosquito attaquent des positions allemandes à Villiers-Bocage, ouvrant ainsi la voie à l'avancée des troupes américaines. Le jour suivant, 127 Lancasters attaquent une gare de triage à Joigny-la-Roche. Le bombardement est très précis et les voies ainsi que les aires de maintenance et de nombreuses rames de transport marchand sont anéanties. Entre le 16 juin et le 2 août, les Lancaster effectuent 34 missions au-dessus de sites de lancement de bombes volantes, les fameux V1 et V2 compromettant sévèrement les bombardements allemands à l'encontre de la capitale britannique. Le 3 août, le commandement tactique aérien s'attache à la destruction complète de certains autres de ces sites. 1100 appareils décollent, parmi lesquels 600 Lancaster. Trois sites sont visés, le temps est clair, la cible est parfaitement accessible et se voit bel et bien détruite. Le 5 août, 250 Lancaster prennent les airs parmi 742 appareils pour aller bombarder des entrepôts dans la forêt de Dieppe et à Saint-Leu-d'Esran. Les conditions climatiques sont une nouvelle fois idéales et les dommages infligés particulièrement efficaces. Les Alliés quittent la Normandie pour s'enfoncer plus profondément dans le territoire français. En écho, le rôle des Lancaster dans le conflit change une nouvelle fois. Les missions de soutien des troupes au sol se poursuivent, mais l'accent est mis sur les cibles stratégiques, dont les usines allemandes de carburant de synthèse, et également la reprise du bombardement des villes allemandes préconisée par Sir Arthur Harris. Ce dernier espère porter ainsi à l'ennemi le coup fatal, après avoir consacré tant d'efforts et de vie à cet objectif. Le 13 février 1945, Dresde subit le feu de deux raids successifs menés par 769 Lancaster, au cours desquels sont lâchées 1478 tonnes d'explosifs et 1182 tonnes de bombes incendiaires. Au résultat,
un brasier semblable à celui qui avait ravagé la ville de Hambourg en juillet 1944. Des dizaines de milliers de civils, dont des réfugiés, trouveront la mort dans cet enfer. Le 2 mars, le dernier raid sur Cologne est mené par 858 appareils, parmi lesquels se trouvaient 531 Lancaster et 303 Halifax. 3000 tonnes de bombes sont larguées au cours de ce raid particulièrement destructeur qui permet aux troupes alliées une avancée dans la ville. Des 6 Lancaster perdus au cours de l'opération, un appareil explosera en vol à 20 000 pieds, encore muni de son chargement de bombes. Moins de 9 semaines plus tard, l'Allemagne dévastée, mise à genoux, capitule face aux Alliés. Une controverse entoure encore aujourd'hui le recours au bombardement stratégique. Mais il reste indéniable que le travail effectué par les bombardiers, et notamment les Lancaster, fut un facteur déterminant quant à l'issue du conflit. La destruction de la Ruhr a entraîné la dispersion de l'activité industrielle allemande à travers tout le pays. La dépendance de la nation envers le transport ferroviaire en étant ainsi accrue, les Alliés purent librement détruire cette ressource à son tour et handicaper davantage la nation ennemie. Les bombardements de sites de carburant synthétique, une campagne à laquelle Serraris ne croyait qu'à moitié, ont joué un rôle capital dans l'anéantissement de la Luftwaffe. Au cours des dernières semaines de guerre, 4000 avions flambant neufs pour la plupart, y compris de redoutables chasseurs, étaient ainsi relégués au sol, faute de carburant. La carrière des Lancaster en tant que bombardier lourd ne s'arrêtera pourtant pas avec la capitulation de l'Allemagne. Son concepteur, Roy Chadwick, était convaincu qu'avec des améliorations, le Lancaster pouvait encore servir au conflit avec le Japon. Après modification, le Lancaster fait peau neuve et il porte désormais non pas l'appellation de Lancaster 4, mais de Lincoln. Le prototype vole pour la première fois en juin 1944. Il est plus rapide, il monte plus haut que le Lancaster 3, mais il est toujours capable d'emporter avec lui ses 11 tonnes de bombes. La fin imminente de la guerre en Europe retarde son introduction en série et à son entrée en service en 1945 dans la Tiger Force de la RAF dans le Pacifique, la guerre contre le Japon est elle aussi terminée. À la fin des années 40, une poignée seulement des Lancaster d'origine subsistent au service de la RAF pour des missions de reconnaissance, jusqu'au retrait du dernier des Lancaster en octobre 1956. Le Avro Lincoln servit quant à lui jusqu'à la fin des années 50 en tant qu'appareil de ravitaillement en vol, mais aussi dans sa fonction originelle de bombardier dans le cadre de la répression d'insurrections en Malaisie et au Kenya. Le Lincoln fut le dernier bombardier à moteur à piston à rester au service de la RAF. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un seul Lancaster en état de voler, le City of Lincoln, conservé sous la tutelle de l'escadrille commémorative de la bataille d'Angleterre au sein de la RAF. L'équipe responsable de sa maintenance est composée de bénévoles hautement qualifiés. Leur objectif est de préserver le prestige du Lancaster bien au-delà de l'époque de sa splendeur et de faire en sorte qu'il demeure un hommage au courage et à l'abnégation des hommes ayant bâti et piloté cette légende du ciel aux heures les plus sombres de notre histoire.